Good morning, Aleiden. Les tutos aujourd'hui, les lunishmat à moi. Ben Chana, Begibat Esther, Zabat Mazaltov, Shishportij, Simon Bat Leoni, Michael Novikov et aussi les Refuat Ruth, Bat Claudine Traina et Simcha Bat Masoudi Betor, Shachol Israël. Si vous souhaitez, vous aussi déjeuner une prochaine étude de Mishnah, correcte 5 minutes éternelles. Et nous étudions Maserhan Shuvot, Perekhe Mishnah Bet. Shuvot Apigadon Keitzad. Amarlo, t'as une pigdoni chez Shlevi Adecha, Shuvot Shanecha Beyadi. Osha Amarlo, Enecha Beyadi, Mashbiachani, Vamar Amen. הרי זה חייב. השביע עליו חמישה פעמים בין בפני בית דין ובין שלא בפני בית דין. וכפר, חייב על כל אחת ואחת, אמר בשמעון, מה טעם מפני שיכול לחזור ולהודות. On, depuis le début du פרק ה', donc la Mishnah précédente, on commence à découvrir une nouvelle sorte de shvua, qui a des condamnations particulières, un korban particulier. Jusqu'à maintenant, on a parlé du korban chatat, olev yored, c'est un korban chatat. Et là, maintenant, dans la joie d'Apikadon, on parle qu'il était passé dans un corban de Hacham, comme on a parlé dans la mission précédente. Et si on fait attention, il y a un parallèle entre le Perek Dalet et Perek He, très flagrant. Dans le Perek Dalet, on parlait de la Shuvah Taedut, que je soupçonne quelqu'un de connaître un témoignage qui puisse m'aider, et l'autre le nie, donc je veux la servante. Dans notre Perek, on parle de quelqu'un que je soupçonne d'avoir de l'argent à moi. Shuvah Apikadon, il a un gage, un dépôt. L'Afkid, c'est déposer quelque chose chez quelqu'un pour qu'il le garde, qu'il le surveille. Et il nie l'avoir. Et donc, il est passible d'un korban Hacham, lorsqu'il, c'est ce qu'on appelle le Hacham Gezelot. Ceux qui font le Mishnah de Ezeum Mekoman Shazvachim le matin après, avant la Tfila. Alors là-bas, il y a Elohen Hashamot Hacham Gezelot. Hacham Gezelot, c'est celui qui vole en jurant. C'est la Shuvah Apikadon qu'on est en train d'apprendre en ce moment. D'accord? Ça, c'est la Shuvah Apikadon. Maintenant, comment est le cas? Alors, dans la Mishnah précédente, on évoquait déjà le principe que qu'il jure de lui-même ou qu'il se fasse assermenter par quelqu'un d'autre, il sera chayav. Une petite discussion, mais l'alaha, on la retient comme chachamim. On peut même assermenter quelqu'un en dehors du Bet Din. Cette fois-ci, à la différence de la Shuvah Taedut, qui devait nécessairement être à l'intérieur du Bet Din, c'est-à-dire la Kfira à l'intérieur du Bet Din. On va en parler à la fin de la Mishnah. Mais pour le moment, la Mishnah nous présente le cas simplement. Shuvah Tapikadon Keitzad. Comment est le cas de Shuvah pour le Pikadon avec lequel on sera passible d'apporter un korban Hacham Meilot lorsqu'on fera Hacham Gezelot lorsqu'on fera Tshuva. Amarli, il lui a réclamé, Amarlo, il lui a réclamé, il lui a dit, t'as des pikdoni chez Shlevi Adecha, rends-moi s'il te plaît le gage, le dépôt que j'ai mis chez toi à surveiller. Et l'autre lui a répondu, Shuvah Shanecha Ve'adi, j'ai rien du tout, moi je te jure que je te dois rien. Bien sûr, il a juré Beshan Hashem. Ok? Osha Amarlo, ou bien la scène elle a commencé différemment. D'abord je lui réclamais et il m'a rétorqué, tu as rien chez moi. Alors moi je lui dis, ah, je t'ai rien déposé, je t'assermente. Et lui m'a répondu, Ve'amar, amen. Il m'a répondu amen, et comme ce qu'on avait appris, dire amen, ça veut dire j'accepte sur moi la Shuvah. Donc c'est comme s'il prononçait lui-même la Shuvah. En réalité, comme la mission précédente nous le disait, il en va de même pour Chachamim, si tout simplement il a nié après que je l'ai assermenté. D'accord? Ça revient même. Alors, la Mishnah nous enseigne, Arei ze chayav. Tel est le cas de figure type pour lequel il sera passible du korban du korban Hacham Gzelot. Ok? On continue la Mishnah. Ishbiya alav chamisha pe'amim ben bifne bet din ben shelo bifne bet din vekafar. Ceux qui se souviennent bien de la Mishnah du Perek Dalet, Mishnah Gimel, ils vont remarquer que c'est exactement la même chose. On va les comparer nous-mêmes ensuite, mais d'abord on traduit. Ishbi alav chamisha pamim. Il l'a assermenté 5 fois. Ben bifne bet din, ben shelo bifne bet din. Que ce soit devant le bet din ou shelo bifne bet din, en dehors du bet din. Et bien sûr, l'autre, à chaque fois, vekafar, il a sur lui, il a nié. Chaque fois, je le dis, rends-moi mon argent que j'ai déposé chez toi. Je t'assermente que si tu me donnes l'argent, tu me le rendes. Et lui me dit, je ne te dois rien. Et je lui dis, comment tu oses me mentir? Je t'assermente, Bechem Hachem, que tu me donnes. Et encore une fois, il nie une nouvelle fois. Et bien, pour chaque fois qu'il va nier de nouveau après que je l'assermente, il transgressera de nouveau un issour de Shvuat, de Shvuat Apikadon. D'accord? À la différence de la Shvuat Aedut, qui avait une différence essentielle sur ça, on va y revenir tout de suite. C'est justement, Chayav al kol achat v'achat, il sera Chayav sur chacune d'entre elles. Et donc Rabbi Shimon nous explique la raison. Amar Rabbi Shimon, ma ta'am mi pene she'achol l'achzor ou l'odot. Pour quelle raison? Parce qu'il pouvait tout bonnement revenir et reconnaître. On revient sur la Shvuah Ta'edut.
Donc, dans la Mishnah, Perek Dalet, Mishnah Gimel, c'est important de les comparer parce que justement, il y avait la même allure de Mishnah avec à la fin Rabbi Shimon qui donnait une raison qui disait Mata Moïl Ve'ena Michulim Larzor Lodot. Il disait justement le contraire là-bas. Dans la Shvuat Haedut, on apprenait que si je suis au Bet Din et que je réclame au témoin, je vous dis, je sais que vous avez vu une scène, que Reuven me doit de l'argent, je vous assermente que si vous savez un témoignage qui puisse m'aider, eh ben, je vous assermente que vous devez tout de suite témoigner pour moi. Eux me répondent, En ano yodim lecha edut. Nous ne connaissons pas de témoignage. Ouais, je retrousse les manches et je recommence de nouveau, et je les assermente de nouveau. Et ils nient de nouveau. Et ainsi de suite, pendant 5 fois de suite. Eh bien, la Mishnah là-bas nous enseignait que ils ne seront passibles que d'un seul korban. Pour quelle raison? Parce que là-bas, une fois qu'ils ont, devant le Bet Din, qu'ils ont nié et connaître un témoignage, désormais ils ne pourront plus jamais revenir témoigner. De ce fait, le premier serment, c'était certes une Shvuat Haedut. Ils avaient menti et ils avaient transgressé l'interdit de Shvuat Haedut. Ils seront passibles du korban Olev et Yored, Khatat. Mais désormais, même si, quand je les réclame une nouvelle fois, je leur dis « Allez, témoignez pour moi », même s'ils voulaient réellement faire tchouva et dire au juge « Bon, allez, maintenant on veut faire tchouva et témoigner », c'est trop tard. Ils se sont grillés au Bet Din. Ils ne peuvent plus témoigner selon la règle qu'on apprenait de Kevan Sheigid, Shuv Eno Choser ou Magid. Une fois qu'il a affirmé quelque chose, il ne peut plus démentir et dire le contraire. C'est une grande règle dans les témoignages. Quand tu dis une chose, tu ne peux plus revenir sur ce que tu dis. Tout simplement, on ne reçoit plus les paroles, il faut bien se fixer. Donc on se fixe sur la première parole la première affirmation que tu vas dire de ta bouche, celle se comprend en tant que vraie. D'accord? Ça c'était pour la joie, t'as des doutes. Et donc c'est pour ça que lorsque je l'assermente 5 fois et qu'il va nier 5 fois, il ne sera possible que d'un seul korban. Même si je prononce, on apprenait même là-bas, si je prononce 5 joies d'affilée, je l'assermente, je t'assermente. Et à la fin il me dit, je ne connais pas de témoignage. Malgré tout, il ne sera possible que d'une seule joie qui sera la première, tandis que les 4 autres ne sont plus des joies t'as des doutes, puisqu'il ne pouvait plus témoigner ensuite. À la différence, maintenant, notre Mishnah nous enseigne, dans la joie t'as picadon, c'est pas la même chose. Étant donné que lorsque je te réclame et tu nies, et que je te réclame une deuxième fois, et bien cette fois-ci tu dois reconnaître et me sortir l'argent et le rendre. Donc si tu nies une nouvelle fois, alors le fait de nier, c'est de nouveau une nouvelle jvoa à ta picadone, et donc de ce fait tu seras passible de 5 jvoat même si je prononce les 5 d'affilée et qu'à la fin tu les nies toutes en même temps, et bien ça s'appellera que tu auras juré 5 fois en même temps. D'accord? Et donc Rabbi Shimon nous justifie cette halakha en nous disant Matam, mi penesh, et achol l'arzor l'odot. Étant donné que cette fois-ci, il pouvait et il devait même reconnaître son tort et dire Bon, allez, je fais tchouba. D'accord? Donc, comme tu as nié de nouveau, tu seras passible d'un nouveau korban. On a fini la Mishnah, elle va tenir aussi très court. Mi penesh, et achol l'arzor l'odot, parce qu'il peut revenir et reconnaître son tort. Achar kfira, après qu'il ait nié, il peut revenir et reconnaître. Nimtsa, il s'avère. Que chacun des serments est une nouvelle, il nie de nouveau avoir de l'argent, et donc il demande de nouveau le fait qu'il ait de l'argent qu'il me doit, donc ça s'appelle une shvua, et il sera possible sur chacune d'entre elles. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de hatzlacha, kol tov u'b'serah.